Shalom le'oi na'boi yom Hashem lo yishmarich Shav shokat shoy mei yom Hashem lo yivne bayis Shalom le'oi na'boi yom Hashem lo yishmarich Shav shokat shoy mei yom Hashem lo yivne bayis. Pour essayer de faire surface, pour essayer de retrouver un peu d'espoir dans la vie malgré tout ce qui se passe, je voulais vous présenter cette maison qui est juste devant ma maison. Une vieille maison en bois. Vieille, ça veut dire jolie, hein. Ça veut pas dire moche. Et cette maison est à vendre. Ça fait des années que je louche sur elle. Elle me fait envie. C'est une belle maison en bois. Pour la modique somme de 15 millions de yens, eh bien, j'ai fait une offre d'achat de 8 millions de yens. Voilà la maison. Ça, c'est les arbres. Ça, c'est là. Si on ouvre, il y a une grande terrasse. Là, il y a un petit jardin japonais avec un petit lac, un petit point d'eau. C'est joli comme endroit. Une fois bien nettoyé, ça peut être joli. Des bambous, un arbre, je sais pas ce que c'est. Et là, il y a un très beau cerisier. Là. Très beau cerisier. Et là, il y a un puits. Je voulais l'acheter pour en faire un Airbnb. Il y avait son petit jardin. Elle était magnifique. Eh bien, vous entendez le bruit? À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait ignoble. Les ouvriers ont dépecé la maison. Maintenant, ils s'affairent avec un bulldozer à retirer la maison qui est faite uniquement de bois. Aujourd'hui, je vais m'affairer à couper ces arbres de la fameuse maison. Vous retrouvez mon petit camion Jo avec sa copine la remorque Josette, le bel érablier. Et ici, c'est là qu'était la belle maison. No comment sur la manière dont c'est fait et sur un tas de choses. Ici, c'est le Japon, c'est pas mon pays et c'est pas ma vie de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qu'il y a de bien ou de pas bien. Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, ma maison est là, avec le toit noir et la cheminée au milieu. Pour cette cheminée, pour nous chauffer, je coupe du bois, comme celui du voisin. Mais aussi, je récupère des pièces de bois longues pour en faire du matériel de base pour construire des meubles. Et il fait chaud, très chaud. Oh,
Reste à couper le gros là au milieu, le moyen, les bambous derrière, ça m'intéresse pas. Après il faudra tout charger dans la camionnette et tout emmener à la montagne pour le fendre et surtout laisser sécher. Streets are whispering now, the gentleman in town, lover, not me, the man around town, you know the sacred ground, repeated to be their chest. J'ai plein de fourmis sur mes bras, je vais abattre l'arbre. J'en peux plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'exercice. Ça faisait 18 mois que j'étais pas grimpé dans un arbre. Oh putain, grimper sur un cèdre ou un cyprès c'est plus facile parce que l'arbre est tout droit, les branches se cassent très facilement et l'arbre est plus mou, donc les pics s'enfoncent beaucoup plus facilement. On peut pratiquement grimper comme ça, tot, 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 et descendre, tot, tot, tot. Là non, le bois est dur. It's good for you to eat when you're out late, messing around. Girls are in your hands, they're trying to go and stand. Another man will blow you up. You're just naive, boy. Gentleman down, lover, happy be. The man around town got on the sacred ground. Bien maintenant, il faut charger le bois dans mon camion.